Fabrice. Kokyo. De Digital Reality, il faut faire attention maintenant, on ne dit plus Interxion. Depuis ce mois-ci. Depuis ce mois-ci, justement. Novembre 2022. Voilà. Donc, tu nous as invités, on te remercie, sur l'atterrissage donc, du câble To Africa, ici sur Marseille, où Digital Reality va jouer un rôle important. Donc, comment se présente cette opération et en quoi est-ce important, à la fois ce câble et son arrivée chez Digital Reality? D'abord, on est extrêmement honoré que le consortium Digital Reality Vodafone et Meta surtout aient choisi le campus de Digital Reality à Marseille. C'est quand même notre 16e câble. Hein. L'intégralité des câbles disponibles à Marseille sont dans le campus Digital Reality. Pas pour nous, pour nos clients, hein, puisque ce sont eux les utilisateurs du hub. Alors, ce câble est important, selon moi, pour trois éléments. Le premier, c'est surtout... le premier câble à utiliser l'infrastructure développée par le port de Marseille, comme on les avait conseillé il y a 5 ans. Donc, comme quoi, dans les infrastructures, il faut être un peu patient, pour créer une zone sécurisée, prête à l'emploi, sur les derniers standards mondiaux, comme on le fait à Singapour ou à Virginia Beach. Et donc, pour le 7e hub mondial qui est Marseille, c'était important d'avoir ce type d'infrastructure. Par hasard, Interxion Digital Reality est présent sur le port, mais il n'y a rien de captif. Un câble pourrait très bien choisir et de sortir du port et d'aller dans un autre data center. Et il y aura sûrement à l'avenir d'autres data centers qui bénéficieront de ce type d'infrastructure, et tant mieux. Le deuxième élément, c'est que, encore une fois, ça vient consacrer la notion de gravité de la donnée, de ce qu'on appelle l'agrégation de la donnée dans le groupe Digital Reality, où on voit bien que la donnée, les infrastructures viennent se coller où sont déjà les données et les infrastructures. Ce qui fait que récemment, il y a quelques semaines, en octobre, nous avons ouvert MRS4, notre 4e bâtiment, à mine de rien 25 000 m² déployés sur Marseille en moins de 8 ans. Beaucoup d'investissements, hein, plus de 400 millions d'euros. On travaille déjà à MRS5 et MRS6, hein, comme quoi notre métier c'est aussi de pousser les murs. Troisième élément, je pense peut-être le plus important ici, c'est que ce câble qui va à terme faire le tour de l'Afrique va révolutionner complètement la connectivité africaine et donner les moyens au continent africain de pouvoir justement rentrer dans un véritable une nouvelle période liée à justement des infrastructures essentielles pour pouvoir rentrer dans le monde digital. Ça, c'est une révolution. Bientôt 2 milliards d'habitants en Afrique, un développement économique qui sera extrêmement important. D'ailleurs, le groupe Digital Reality, a priori, ne s'y trompe pas. On est d'ores et déjà devenu le premier acteur en Afrique, hein, avec nos présences au Nigeria, au Kenya et plus récemment, depuis début 2022, en Afrique du Sud, puisque nous avons repris Terraco, qui était le leader africain et sud-africain. Donc on souhaite accompagner encore une fois nos clients où ils ont besoin de nous, et ils auront aussi besoin de nous, pas qu'à Marseille, mais également sur le continent africain. Donc voilà, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intérêt par la presse, la technique, les partenaires, les clients ici de cet événement aujourd'hui à Marseille, où comme d'habitude, il fait beau. Exactement. Interxion, quand tu t'es implanté sur Marseille, je dirais qu'il y a une approche de Fabrice Kokyo qui est une analyse et une vision du marché. Qu'est-ce qui fait marcher Fabrice Kokyo et qu'est-ce qui fait son succès? Moi non. Les équipes d'Interxion Digital Reality, tous les jours, la passion d'essayer de comprendre ce que souhaitent nos clients, surtout de les écouter avec beaucoup d'humilité, puis aussi on a beaucoup de chance, on a la chance de travailler avec des géants américains, chinois, français, russes, américains, peu importe finalement qui, et surtout d'avoir un poste d'observation incroyable. Donc si on fait attention un petit peu à ce que nous disent nos clients, bien sûr ce dont ils ont besoin, il faut qu'on améliore notre service tous les jours, mais surtout où ils souhaitent aller en termes géographiques ou en termes de services de développement, c'est pas très compliqué, il faut être très humble dans ce métier, hein. On est un acteur d'infrastructure, il faut juste les écouter et puis après savoir mobiliser les investissements au bon moment. Mais ça c'est tout l'enjeu, c'est pas ma personne, c'est l'enjeu du groupe. Avant c'était Interxion, maintenant c'est Digital Reality et on a le même soutien depuis qu'on est Digital Reality, même si on est devenu la première plateforme de data center au monde avec un peu plus de 300 data centers dans le monde. Tout à fait. Alors, une dernière question peut-être, on va parler d'avenir. Ce projet d'atterrissage est accompagné également d'une capacité d'en accueillir 6 autres, si j'ai bien compris, 6 autres câbles sous-marins. Il y en a déjà 16. Ça fait important. Quel est l'avenir de Marseille? Comment on peut le voir aujourd'hui par rapport à toute cette infrastructure qui se met en place?
Alors encore une fois, ce n'est pas Interaction Digital Realty, hein, ce sont nos clients qui ont fait le hub, ce sont nos clients qui ont besoin de solutions d'atterrage diverses et variées. La solution du port est une très belle solution parce qu'encore une fois, prête à l'emploi, à l'état de l'art, hein, j'insiste, à l'état de l'art et surtout protégé. On est dans un espace Schengen, un espace protégé. Je pense que les enjeux de sûreté, on l'a bien vu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps en France, sur des problèmes de malveillance qu'on a, comme on l'avait eu en avril 2022 sur les câbles autour de Paris, les enjeux de sûreté vont être majeurs pour ces infrastructures numériques que sont les câbles sous-marins, les câbles terrestres et les data centers au milieu. Nous, on n'est pas non plus sur le port pour rien. Hein. Il y a la présence du GIGN là-bas, il y a la gendarmerie maritime, il y a les forces de police, de la préfecture de police et des sapeurs-pompiers qui nous connaissent très très bien. On doit une première sécurité à nos clients. Mais au-delà de ça, hein, l'agrégation pour Marseille, c'est justement tous ces nouveaux câbles qui vont arriver. On est sur un phénomène exponentiel, ça fait longtemps qu'on en parle, hein. Ça fait longtemps, moi je vous dis attention, on n'en est qu'au tout début à Marseille. Et la preuve, c'est qu'encore une fois, on voit un phénomène d'accélération dans les capacités, dans les investissements de notre groupe et sûrement d'autres acteurs demain pour accompagner ces investissements. Il ne faut pas oublier une chose, hein. À chaque fois que Digital Realty met 1 euro ici sur Marseille, nos clients mettent 4 euros. Hein, donc on a dépassé les milliards déjà d'investir à Marseille en infrastructure. Après, demain, il va y avoir les services, les hommes, les femmes, ce qui crée de l'emploi, hein, les problèmes de formation. Enfin, on va rentrer dans un phénomène vertueux. Comme tous les phénomènes vertueux appuyés sur l'infrastructure, hein, c'est du temps long. Des fois, ça dépasse un peu une mandature ou d'un élu. Mais c'est quand même pour l'intérêt de la région, de la ville et puis de la France, c'est un impact majeur. Merci. Merci.